Alors Valentine Pozzo di Borgo, merci de nous rejoindre au micro de Cavadeos. On est ici dans le cadre de la vente Performer, la première édition de la vente Performer organisée par Fence. Et vous êtes donc l'heureuse propriétaire d'un charmant animal qui s'appelle Vasco de Falaire. Alors pourquoi l'avez-vous choisi ? Bah, je l'ai choisi parce que j'ai eu la chance de pouvoir l'essayer, ce qui est bien avec ce genre de vente, et j'ai eu un coup de cœur, donc voilà, je pense que c'est une bonne raison d'acheter. Alors un petit mot sur lui, sur son modèle, ses origines, ses performances. Bah, ses performances, je crois qu'il courait avec François Pop. Et c'est un cheval très facile, qui a un très bon galop, très bon équilibre. Et c'est ce que je recherche. Les origines, je regarde moins parce que c'est moins... Ça m'intéresse moins. J'y connais moins. En fait, c'est un fils de Lord Calando, par une mère par le taux de Semilly quand même, donc à beau papier. Et donc, vous vous êtes senti bien tout de suite dessus ? Oui, tout de suite. Donc, on est ravis. Alors c'est un achat coup de cœur, mais donc c'était pas prévu du tout ? C'était pas vraiment prévu, en fait j'ai plus que des jeunes chevaux en ce moment, donc ça va compléter mon piquet de jeunes chevaux, et pour éventuellement pouvoir retourner faire des grands concours. Alors que sont devenus vos chevaux, genre Clark et les autres ? Bah Clark est à la retraite, il a 22 ans, donc il profite pleinement de sa nouvelle situation. Et les autres chevaux, j'ai que des jeunes, donc que je vais sortir progressivement l'année prochaine en concours. J'avais un petit peu moins le temps entre mon activité professionnelle et ma passion, il faut toujours faire des choix. Alors donc le programme de Vasco dans les semaines et les mois à venir, où va-t-il aller, qu'est-ce qu'il va faire ? Je suis basée dans les écuries de Christian Payot à Chamans, donc ça va être son QG. Et là, je pense qu'il va se reposer un peu, profiter de sa nouvelle écurie, et puis on verra au fur et à mesure ce qu'on va programmer. Et c'est vous-même donc qui allez le monter en concours ? Oui, exactement. Merci de nous avoir accordé un petit moment. Évidemment, on vous souhaite le meilleur avec votre nouveau partenaire. Merci beaucoup, Valentine. Merci.